Bah merde alors, en jouant avec sa balle, Barbara est tombée sur un pot de glu. Et maintenant elle a de la glu collée à son nez. Là, là. Mais comment est-ce qu'on va t'enlever ça là? Sur tes babines, toute cette colle blanche. J'en ai même sur mon putain de pouce. Bon, on a appelé Jean-Pierre, et selon lui, qui est quand même un grand bricoleur devant l'éternel, la seule solution pour enlever de la glu, c'est de la casser avec un marteau, donc c'est mort. La peau de Barbara devra repousser, et pour mon pouce, on attendra. Hein. Décidément, j'en reçois des choses par la poste. C'est ma box des vins. Ouais, voyons voir. Deux vins rouges, un qui vient de la Loire et l'autre qui vient de Bordeaux. Et rien qu'à la forme de la bouteille, de loin, on peut dire lequel est lequel. Elle, c'est typiquement la bouteille bordelaise. Et il y a une raison à ça, c'est qu'ici les bords sont beaucoup plus accentués. C'était pour retenir le dépôt. Parce que les vins de Bordeaux sont beaucoup plus riches en tanins. C'est les particules qui colorent le vin et qui râpent la bouche et qui se coagulent aussi dans le fond de la bouteille et donc qui forment le dépôt. Alors toi, tu vas là et toi ici. Et on s'en va chez Jean-Pierre, on va continuer avec lui le livre sur les tintineries. On y croit, on y croit, on y croit. Yes! Ah! Ah oui, non, faut que j'aille chercher un fond. On mange sainement avec toi en tout cas. On voyait ce genre de réunion de groupe où on est tous motivés, on met tout en commun, on règle plein de petits détails, mais au final, on finit tous par faire notre partie dans notre coin. Et ben c'est un peu ça qui vient de se passer avec le livre. Mais maintenant, j'ai plus qu'à taffer de mon côté et on se rapproche. Stay tuned, à demain les petits potes.